Bonjour à tous, c'est Zeridé. Aujourd'hui, on se retrouve sur Prison Aquitech et aujourd'hui, on essaye de retrouver un peu de stabilité. C'est parti! On reprend donc la partie là où nous l'avions laissée la dernière fois, à savoir avec le chef de gang qui était mort à peu près ici. Attendez, je gère le son. Voilà, à peu près ici dans la cour. Grâce à notre super tour de sniper très bien placé. Depuis, on connaît une période qui se veut un peu moins stable, liée donc au membre de gang qui est mort, etc., etc. Mais on veut retrouver un peu de calme, je l'espère, dans cet épisode. Et on espère que l'argent va également remonter. Donc là, oui, on est en moins 2000 avec plus que 2000 en poche. On est d'accord, on est foutu. Imaginez, on va avoir un tout petit peu d'entrée d'argent ici, quelques conditionnels qui devraient partir, et on va commencer à avoir quelques jours sans incident qui devraient, j'espère, remonter pour retrouver une certaine aisance économique, on va dire. On avait fini notre atelier ici, dans lequel on va pouvoir y mettre des gens si ça n'avait pas déjà été fait. Donc là, on va y mettre un paquet de bonhommes. Il en faut du monde, hein. Voilà. On en a en plus des personnes qualifiées pour ça. Ça va être très bien. On avait... il faut qu'on prenne aussi un contremaître ou deux pour cela. Et ça, on va attendre un tout petit peu d'avoir un peu de sous. Oh, regardez comment ça va un peu mieux. On est riche, dis donc. On est riche. Ah, rituel d'entrée, toujours. Petite fouille de profil. Ici, il n'y a rien. Ici, ça m'agace toujours. J'en ai toujours un qui traîne et qui m'embête parce que il ne peut pas se voir attribuer de cellule et ça m'agace. Et j'arrive pas à localiser lequel. Alors, j'imaginais peut-être un aliéné. Je ne sais plus à combien on est. Oui, on est à 40. Donc c'est bien un aliéné qui ne peut pas se voir réserver une pièce. Et c'est pas cool. Mais c'est pas grave. On va approuver toi. Non, lui, on peut pas l'approuver parce qu'il est pas encore prêt à être transféré. C'est dommage. Donc toi, tu vas travailler encore là-dessus. Et toi, il n'y en a aucun qui souhaite. Pourtant, ça vous ferait un bien fou d'être tranquille. Donc là, pour ce début de vidéo, je pense qu'on va principalement avancer le temps et constater, pleurer et être consterné par les agitations que nous pouvons vivre. On vérifie la haute des sécurités. Oh, attendez, je m'agite, mais là, il y a du grabuge ici, là. Non, c'est bon, ça s'est calmé. Toi, il y en a un qui bosse pas ou quoi? Ah, t'avais été oublié. Oui, c'est bon. Donc, quelques petites agitations, quelques petites fouilles par-ci, par-là, mais globalement, on tient le coup. La petite fourmilière avance, on pourrait même appeler la prison de cette manière-là. Et toi, qu'est-ce que tu as? On va mettre fin à la sanction. Ça sera malheureusement plus simple. Nous sommes à 93 gardiens, si je me trompe pas. Ouais. 18 000. Tout de suite, on va beaucoup mieux. On respire. Sauf qu'on perd un peu d'argent. Ouais, non, c'est bon. C'est que ça oscille entre les dépenses et les achats qui font que... En tout cas, là, je pense qu'on va pouvoir prendre le contremaître qu'il nous fallait. On peut toujours pas parce que économiquement, on est négatif. On va patienter jusqu'à retourner à un flux économique positif, à un flux quotidien positif. Là, on voit que ça oscille beaucoup. Mais je pense qu'on va résister, tenir, etc., etc. Toi, t'as fait un petit peu de bazar. Fouiller toi quand même, on sait jamais. Au cas où, vois ce que tu veux. On a des petits soucis de porte, encore et toujours. T'es connecté ou pas? Ouais, t'es connecté. On va patienter tranquillement, voir comment ça avance. Jusqu'à revenir au positif et pouvoir prendre des contre-mètres. C'est là la grosse... panique. Toi t'es bien connecté, t'as juste personne là-bas.
Ok. Est-ce que en termes de priorité, pourtant t'es bien marqué en priorité. Toujours bien, tout est bloqué, tout est verrouillé, oui. Je voudrais essayer de reprendre bien sûr cette partie-là pour commencer à faire un bloc de haute sécurité. On a très peu de capacités, j'aimerais bien pouvoir accueillir les 8 hautes sécurités ici, dans des cellules qui se veulent comme celle-là, pour pouvoir être un peu plus à l'aise et surtout faire en sorte qu'ils sortent de là. C'est surtout ça la partie compliquée de la chose. Là, il te dit qu'il n'y a pas de cantine. Du moins, il n'y a pas de prisonniers affectés, mais c'est pas gênant. Donc, plusieurs choses. Le contremaître, en premier. Ensuite, la haute sécurité ici. Même la haute sécurité, je pense qu'on peut déjà s'amuser à faire. C'est pas un mur en plus, c'est une fondation qu'il faut faire. Et là, ça sera peut-être pas le même coup. 5000? Allez hop, on la lance. On est fou, on est des gueudins, on a des sous, on en profite. 18 000 en plus de libération, excellent. Donc en termes d'énergie, on est là. Donc en termes d'énergie aussi, il faudra qu'on voit potentiellement de déployer des panneaux solaires ou des mix solaires éoliennes hein, comme nous avons ici, afin de venir au secours de tous ces blocs-là. Donc ce que j'ai imaginé, c'est que ce bloc-là, il permet de faire ça et il devrait permettre de faire ça. Lui ici permet de faire tout ça. Mais je vais faire tout l'atelier central, on pourrait imaginer faire des panneaux solaires. Voilà un petit peu comment je vois la chose. La seule chose, c'est que ça se fera uniquement lorsqu'on aura de l'argent. Caméra. Ils sont où les caméras déjà? Caméras sont là. Essayer de faire ça pour filmer au mieux ce qu'il se passe. Les repas, les deux tenues, on n'a toujours pas d'argent qui rentre. On avait dû attendre 5 jours pour avoir beaucoup d'argent. Eux, ils arrivent à passer. Ouais, bon, ils font un sacré détour. Bon, ils passent par là, c'est pas gênant. J'imagine que c'est pas gênant du tout. Il nous faut surtout des contremaîtres, hein. Et surtout ça pour pouvoir lancer ici les ateliers et les sessions de travail. Regardez, on est ouais 25 qui s'estiment bien traités. Bon, on a un dixième qui s'estime bien traité. On a 37 bien nourris, mais tout le monde n'est pas en train de manger encore. Je suis pas certain qu'on va bien s'en sortir, mais bon, on marchote, hein. On avance tout doucement. Là, on n'a pas découvert les profits des gars, j'imagine, toujours pas. Non, toujours ces deux-là qu'on détecte pas. Bon, en tout cas, voilà. La partie qu'on avait souvent, c'était que les gardiens avaient du mal à travailler ici. Mais là, ça a l'air de bien se passer. Est-ce qu'en termes de chef de gang, on a déclenché un nouveau chef? Toi, t'as pas l'air d'être un chef-chef à première vue. T'es toujours le secondaire, là. Mais pas le chef en soi, hein. Et je me trompe pas. Donc ça va le faire. Réellement, on devrait s'en sortir. C'est tout bon? Pas encore, j'imagine. Encore des choses à faire. Parce qu'ici, de souvenir de ce que je m'étais dit, on mettait une grande porte ici. Qui permettait de faire l'entrée. Ici, il y aura une grosse salle de détente, bien sûr. Et des cellules ici. Ici, il y aura une salle commune équivalent à celle-ci. Et tout plein de blocs de cellules équivalent à cela. Ici. On a des sous. Ouh là là là, on profite. Alors, on va attendre un petit peu. Non, on va prendre de suite. Pourquoi il veut pas? Ah, il faut le mettre dehors. Et bien sûr, un contremaître. Voilà, 2 contremaîtres supplémentaires. Ça va coûter un bras, je vous l'accorde, ça va coûter un bras. Mais pour les réhabilitations, ça peut être pas mal. Parce que regardez, là on commence à avoir du confort. Pour certains qui se plaignent bien sûr. Mais globalement, on est pas mal.
Est-ce qu'on a encore des gens qui ont besoin? Ah oui, il y en avait un que je voulais faire. C'est les panneaux solaires. On peut faire deux sessions. Là, on a encore des gens qui sont intéressés par l'agriculture. Voilà. Toujours pareil, c'est plus on en met, ben plus on arrive à caser les gens. C'est des bugs un peu pourris, hein, on est d'accord. Là, on était bien, ça c'était les conditionnels, on avait tout fait. Les groupes d'alcool, pourquoi pas. Les menuiseries. J'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui souhaitent s'intégrer là-dedans. Et c'était ici, après, que ça pouvait se faire. Toi, t'es ici. Toi, t'étais là. Toi, t'étais là. Ça va pas satisfaire tout le monde, mais au moins, on va laisser comme ça. Là, on a peut-être plus de monde qui vont pouvoir s'intégrer là-dedans. Et voir ce que ça donne. Je peux mettre d'autres groupes. Toi, je vais t'enlever temporairement. Ça nous va permettre peut-être de gagner ou de rééquilibrer un peu les sous. Et toi, t'étais déjà à fond. Je peux pas en mettre plus. 1200 exercices de conditionnel ont été faits. Ça commence à se faire des gros chiffres ici. Hein. Des gros gros chiffres. Les panneaux solaires, c'est ok. Il reste le groupe général. Même s'il y a personne d'intéressé. On va l'activer. Voir, c'est malgré tout disposer d'un prisonnier qui fait le groupe général. Ça serait bien qu'on le lance un jour, surtout. Voilà. Pour moi, tout est bon. Ah, si, si. J'ai oublié. Le programme, c'est le cours scolaire de base. Je pense qu'il va en manquer. Ouais, tu vas aller dans une autre session. Voilà. Je pense que là, on a fait pas mal de petites choses sympas. On va réajuster, donc intéresser plus de gens à des cours, donc ils vont être calmés. Plus de gens aux ateliers, donc ils vont être calmés. On peut espérer aussi avoir un peu plus d'argent. Ça. Toi, tu en fais combien? T'en as combien? T'en as 6, 8, 6. Donc toi, tu vas connecter. Ok. Je mettrai bien un nouveau moniteur ici. En plus, on en a 6 d'avance, donc autant les positionner pour les mettre ici. On perd un peu d'argent, je suis d'accord, mais on n'a pas trop de grabuge. On a passé une bonne nuit. La prochaine, ouais, du moins la nuit n'est pas finie. La prochaine nuit, on va refaire un petit coup de fouille généralisée comme on fait, hein. Donc les toilettes principalement. Et après, ça devrait le faire. J'ai pas un gardien ici, mais ici. T'as pas voulu venir? Y a personne qui veut venir. Oh! Ok. Allez, viens. Ok, donc tout est fait ici. On a un peu de sous, pas grand-chose, mais on en a un petit peu. Donc on va. Alors je fais pas la duplication parce que la duplication, on va avoir la difficulté de qu'il faut qu'on optimise les coûts. Donc on va essayer de faire étape par étape, bien sûr. D'abord les murs et après le reste. Voilà. Alors, il est vrai que là on a peut-être un peu plus de place, on peut peut-être s'amuser à faire autrement. Venir faire tac, tac, tac. Gagner un tout petit peu, on pourra peut-être augmenter la qualité de la cellule. Je dis, ça peut être sympa de leur octroyer un peu plus de biens. Pas le plus passionnant, je vous l'accorde, mais malheureusement, faut bien y passer.
Ici, on va pas faire de cellules. Hop là, comme ça on est pas mal, j'imagine. On pourra y faire tout ce qu'on a besoin. Donc, comme on avait fait ici, plus ou moins, la cuisine, je pense qu'ils iront manger là, mais ça sera pas le meilleur. Mais ils mangeront ici quand même. Et là, on va verrouiller ouvert surtout. Pour l'instant, même parce que c'est pas gênant en soi. 6000, très bien. Un peu de sous-sous. C'est bien. Est-ce que là, ils ont mis l'atelier? Très bien. 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a une bonne visibilité? Ça va. Punaise de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici. Oh, je l'ai raté la balance. Je rate des balances en ce moment. Avec sa jambe là, toi je t'ai vu. Hop là. T'es ici. C'est rare que... Ces derniers temps, c'est vrai que j'en rate beaucoup. Beaucoup moins présent. Même si j'essaye, je le rate de temps en temps. Ça a l'air globalement propre. Ici aussi, là aussi. On a quand même à trouver deux. Hein. Donc ça montre qu'on avait quand même pas mal de retard. Ici, je ne vois personne. Ici, je ne vois personne. Et là non plus. Là, personne. Et ça bosse bien. Ça bosse bien. Très bien. Ils font de la réparation, c'est tout ce qu'on veut. Et là, par chance, les alignés ne sont pas dans ce mode-là. Bien vu, ils ne peuvent pas être des balances ou des ex-agents de la loi. Extrêmement fort. J'ai énormément de mecs typés extrêmement forts, rapides, tout ça. S'il y a une émeute, on peut prendre très très cher quand même. Et tout le reste a l'air d'avancer. Ici, ben on va le laisser comme ça et c'est bien. Toujours un qui peut pas se voir attribuer de cellules, mais c'est pas grave. On va espérer qu'il y ait des aliénés qui se mettent à bouger, quoi. Qui quittent notre prison ou autre, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. Tu es en train de faire quoi? Et t'es assis? On se pose la question si t'es assis et tu cherches du confort. Je sais pas trop. Là, c'est totalement tassé, mais j'ai pas eu le choix de le faire, hein, totalement tassé. Hein. C'est un petit peu ce qu'on peut se dire, malheureusement. La vie, leur vie, peinard. Rien à dire, rien à faire pour l'instant. On va enlever la planification. Maintenant qu'on a fait tous les murs, on va pouvoir se charger des lits. Ah, c'est pas des... C'est comme ici, hein, c'est des simples chambres. Si c'est des simples chambres. Coûte 200, ça fait un peu mal. Quatre mille lits, donc on est à 5, 10. On est à 20 cellules de haute sécurité, c'est très bien. Va être un peu plus confortable, on pourra accueillir les 7 qui manquent. C'est où que ça s'agite? ...18 000, très bien, c'est toujours pas un petit paquet de 18 000. Toujours rien. J'ai l'impression que toujours rien ici. J'espère que je n'ai rien raté à ce niveau-là. Si on arrive à tenir à peu près 3-4 jours, on pourra imaginer accueillir un tout petit peu plus de prisonniers. Et puis même, on va le faire maintenant. Pour que demain,
on ait un peu plus de monde à accueillir. Total nombre de prisonniers. On va y aller doucement, on est à 550. On va essayer de faire chaque jour 5 de plus. Voir ce que ça donne. Je ne veux pas me mettre à accueillir 35 personnes un jour, ça sert à rien. Ça risque d'être trop violent. Ouais. On a un nombre de repas qui est inférieur au nombre de prisonniers, mais c'est normal. Tout le monde n'est pas nourri, j'imagine. Je ne sais pas si on a une capacité d'accueil qui est suffisante. Hein. Ici, comment on va faire? Je pense que cette cantine... En fait, ici, on va faire un coin cantine, un coin cantine. Je sais pas si on peut le faire, mais c'était le but. Hein. C'était le but, ici, qu'on ait une cantine. Qu'on ait une cantine, ici. Ouais. Ici, qu'on ait... on va faire directement les cellules de condition... De, pas de conditionnel, de... D'isolement. Oh, c'est pas symétrique. J'aime pas quand c'est pas symétrique. Elles sont que de 2, hein. 1, 2, plus 3, ouais, mais on n'est pas obligé d'en faire autant. Si ça te fait plaisir, on va faire ça. Ici, il est normalement prévu de faire une salle commune. On peut imaginer. Là. Parce que même lui, en termes de confort en salle commune, je crois qu'il lui faut une grande taille. Hein. Voilà, 50. Déjà, c'est pas mal. On pourra la mettre presque au max. Hein. Et ça, on va pouvoir le faire aussi. Bon, qualité, on verra. Mais clairement, c'est cette cuisine-là qui va alimenter cette cantine-là. Et on va déjà pouvoir dire que là, pas ça. Que ce bloc-là... Il est de haute sécurité only. Une fois que ça sera fait, on sera bien. Là, on va essayer d'accueillir un peu plus de monde. Est-ce qu'il y a un nouveau chef de gang qui est arrivé? J'ai pas l'impression qu'on ait bien quelqu'un qui a pris le relais en termes de chef de gang que lui. Et tant mieux. Ça a l'air de bosser, hein. Parce que ces hautes sécurités-là semblent quand même calmes. On ramène les lits. Franchement, on a l'air confortable maintenant que le chef de gang, du moins la mort du chef de gang est loin pour tout le monde. On est vraiment tranquille. Dans un certain confort, on peut avancer le temps assez vite, pas trop de problèmes. Toi, on se demande ce que tu fais là. Clairement. On va revérifier si les mecs, on en a toujours à vérifier si on voit des mecs ici. J'ai pas l'impression, toujours. Ouais. On va déjà fouiller recherche de tunnels chez les basses sécurité qui sont en train de dormir. On peut se le permettre. Peut-être de les... Tenir à genoux, hein. Faut pas oublier qu'on a feu à volonté aussi sur les snipers. C'est peut-être ça aussi qui les maintient un peu au calme. Ils peuvent se sentir matés. C'est peut-être ça, ouais. À 1000, on tient économiquement. On va avoir 6000 qui vont arriver bientôt. Ou des tunnels, on va rajouter les hautes sécurités aussi. Finalement, c'est les normales sécurités qui nous font peut-être le moins mal, les moyennes. Si on arrive à finir ça, on va faire les secteurs partagés et les normales sécurités. On aura sûrement fait le tour. On rajoute ça en plus. Je pense qu'on peut être peinard.
Voilà. On va imaginer qu'on a fait tout le nécessaire au niveau de la recherche des tunnels. Je suis pas certain, hein, que le taf ait bien été fait. Ici, on a mis les lits partout. On a mis les lits partout. Il ne fallait une chaudière ici. Ça, c'était nécessaire. La tuyauterie, elle est là. On va devoir mettre les grilles de douche partout. Alors. Ouais, on va commencer par les commodités les plus classiques, les plus simples. La douche et les toilettes. Les toilettes, je les ai mis où ? Je les avais mis à côté du lit. On va peut-être changer un petit peu la dispo pour nous faciliter la vie. On va faire ça comme ça. Et le pommeau de douche, il va être ici. Comme ça, on prendra ça, et là, on va pouvoir vraiment le dupliquer tout le long. J'ai une porte d'isolement à faire. Ça, on va le faire dès à présent. On va pouvoir aussi mettre les toilettes dedans. Si j'arrive à retrouver les toilettes, ici. On va même leur donner le droit de faire une douche, quand même. Passe à l'eau. Voilà. Et ça, on pourra donc dire que c'est des isoloirs. De l'isolement, pardon. Ça devrait être pas mal. Si on arrive à faire ça, ça devrait être bien. Humile. On accueille des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, t'es pas électrifié, toi. On va voir si le système PA peut être utile ici. Et si ça fait quand même 3 jours où on est tranquille. Ce qui est plutôt rassurant. On est vraiment dans un certain petit confort, là. C'est pour ça que je me permets d'augmenter l'accueil carcéral, hein. Sauf si on n'avait pas fini ici. Je suis pas certain qu'on avait fait tout le boulot là. Là, on a l'accueil. Très bien. Stoïque machin. Ça nous met un petit peu dans le bien quand même. Tout petit peu. Néo positif, attendez, c'est énorme. Bon, bien sûr, au moindre grabuge. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Toi, t'es une balance. Ah, j'ai pas le choix, quoi. Au moins, je l'ai vu. C'est moche quand même. Balance, gardien de prison, et en plus membre de gang, etc. J'ai peur qu'il me fasse mal ici, en fait. Lui, il va me faire mal ici. Oh, j'ai d'autres mecs qui sont peut-être mauvais, hein. Oh, ça va le faire. Allez, on a confiance, ça va le faire. La première vue, on a pu poser ça. On va prendre ça. Non, on va prendre ça, on a dit... Fais mal, salopio. Il me fait super mal, le salopio. Waouh, il m'a fait tellement mal. Tellement mal. Il est à combien? Ah, il nous manque 4 gardiens. Pas le choix. Bien le remettre, le quatrième gardien là. On remonte à 95. Par chance, un mec qui nous attaque tout seul, ça nous fait pas mal. Ça, c'est bien.
Voilà. Ça sera fait. C'est-à-dire que les commodités de base. Ah. Aïe 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 aïe. Les commodités de base seront mises. Et on pourra déjà mettre les mecs ici. Ils auront pas de lumière. Ils sont... Ah oui, en parlant de lumière. Pas être salaud non plus. Amis ici. Ça nous fait ça et ça nous fait là. On va mettre ça ici, ça là. Voilà, ça va être propre comme ça. Bon, on peut espérer que ça soit propre comme ça. 41 000. Oh, j'ai raté un truc. On a eu plein de sous qui est rentré. C'est bien. 5 de plus. Et on va peut-être arriver à monter considérablement le nombre de personnes qu'on a. Et dans un jour ou deux, on devrait pouvoir transférer tous les prisonniers haute sécurité dans des cellules qui leur sont dédiées ici. Alors, je vais devoir reprendre des gardiens de prison, des gardes armés. Il y aura juste la difficulté où ils se mélangeront peut-être à la masse ici. Hein. Alors, sauf si je fais un truc ici qui correspond à la cour. On me dit, ça peut être bien de cutter un petit peu. Attendez, j'ai oublié un petit truc, hein, essentiel, de prendre mon petit papier. Je vous partage le bruit, hein, toujours. Je ne mens pas. Toujours le petit papier. Ouais, c'était bien que la salle commune qui était prévue là. Si la salle commune est prévue là, pour moi, on va faire la cantine. Dis-moi, on va faire ça. Et ça. Et ça, ça va être leur... Ça va être leur cours. Ah, elle est peut-être pas assez... Ouais, si elle fait 8. 8, c'est suffisant, j'imagine. On va faire ça comme ça. Ils auront une cour privative. Bon, ils n'auront pas une tour de sniper dedans, hein, bien sûr. Pas dans celle-ci. Mais ça ne sera pas gênant. On avance sur la haute sécurité. On avance, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On aura presque fini celle-ci, j'imagine. 6000 pour les conditionnels. Très bien. Toujours personne d'intéressant à dégager d'ici. Parce que oui, il faut pas oublier qu'en haute sécurité, eux en préventive, on a quand même 16 places qu'on n'occupe actuellement pas. On n'en utilise que 5. C'est-à-dire que s'il y avait eu 10 gars qu'on pouvait mettre de côté, ça serait que du bonheur, quoi. Parce que c'est les 10 qui nous font rien. Hein. Depuis le début, ils vivent vraiment leur vie de manière peinard. Ils ont tout le confort. Bon, ils sont matés, certes. Oh, ils ont des petits transats, liberté, tout ça. Hein. Ils sont dans un confort total. Bon, il y a un sniper qui les regarde quand même. Hein. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont peinards, ils vivent leur vie. Rien à dire là-dessus. Là-dessus, ouais, 3000, faut encore attendre un petit peu. Si ça c'est fait, c'est très bien. On va le verrouiller ouvert pour l'instant. Et ça, ça va être donc une cour. Alors, est-ce que la cour... J'ai une petite idée. Peut-être salaud. Et je pourrais quand même leur mettre un sniper dans la tronche. C'est-à-dire qu'en fait, on mettrait une tour de sniper ici. On le ferait passer par là. Et il aurait vu directement sur la cour. Le moindre grabuge, papa, ça tire.
Moi, je trouve pas ça si déconnant. La seule chose, c'est que le sniper, avec sa, son machin, il prendrait tout le chemin là. Ça, c'est peut-être moins cool de passer par là. En termes de chauffage, on est à combien là? Logiquement, il doit faire frais ici. Ah non, il fait déjà chaud. Excellent, j'ai quasiment pas besoin de mettre de chauffage. Ouais, on va juste mettre un radiateur au niveau de la cantine, peut-être. Et voir s'il faut pousser le reste. Ce qui va être juste être nécessaire. C'est de pousser ça là. Comme ça. Ça va être un petit peu plus symétrique. Ça va être bien une fois comme ça. Ouais, et il faut faire la même chose avec ça. On va partir d'ici. Sûr, on part par-dessus. On va passer là. Ah, il y a des petits misclics. Hein. On va y arriver, on va y arriver, on arrive au bout. J'espère que les tuyaux pourront aller jusque là. Et si ça y arrive, on sera pas mal, je pense. Donc juste ça. Et si les toilettes sont prévues, donc pas de problème particulier ici. La cantine, j'ai peut-être fait trop petite, hein. On verra. On va réajuster si nécessaire. Agrandir un tout petit peu pour voir ce que ça donne. On refait des petits fouilles de recherche de tunnels. On reprend le rythme hein, qu'on avait laissé à la fin parce que de l'épisode précédent parce qu'on était embêté très fortement par le chef de gang. Là maintenant on peut tout reprendre. Hein. On reprend un rythme normal d'agrandissement et tout ça pour se sentir le mieux possible. Ah c'est bon, il y a un aliéné en moi. Non, même pas. Si, il a toujours besoin d'une place, lui. Pourquoi il me dit que non? Moi, je sais pas trop. Toi, t'as un problème de lit, à première vue. Ouais, des moments, la sauvegarde, j'ai l'impression qu'il déconne. Ou sinon, c'est le jeu qui déconne, parce que... Les lits, bien évidemment, ils n'étaient pas dans ce sens-là. Et on voit que là il déconne un petit peu. Isolement, isolement ici aussi. Juste pas mis de toilette là quand même. Ça c'est pas bien ça. Que lui il est quoi? Il va être dire. Il a. Ouais, il est maté, c'est certain. Il a pas forcément besoin de toilette, mais on va lui mettre quand même. Hein. Les tuyaux sont déjà faits. Et même ici, il y a déjà tout ce qu'il faut pour la douche. Là, non. Ouais, pas de privilège. Les toilettes, c'est suffisant. La dignité humaine, merde. Qu'est-ce qu'il faut pas passer? On va faire ça. Et on devrait être pas mal. On est positif. Yes! Là, avec les 18 qui vont rentrer, on va être encore plus positif en termes d'argent. Hop, 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 hop. Il y a deux qui souhaitent venir, très bien. Dont un qui est enfermé, n'est pas prêt de venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui vont essayer de bien se comporter. C'est ça qui est important. Donc, là, en gros, le lot ne va pas jusqu'ici. Oh là là.
fait n'importe quoi. Pour si peu, c'est n'importe quoi. Donc la cantine, on va pouvoir faire directement les services qui vont bien. Parce que là, déjà, on peut leur dire que c'est des hautes sécurités. Hein. Parce que là, il y a tout pour plaire. Non, là, je me suis trompé. C'est pas dortoir. C'est pas dortoir. C'est isolement. Ça, ça devrait fonctionner. Voilà. On va s'occuper de ça. Table de service. Petit écart. C'est moche. Et ensuite, on va y mettre des petites tables. On a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que c'est bien. Alors que si on fait des grandes tables. Ici, on est à 4, 4, 8, 16. On a l'air de le faire, 16. La cantine, elle est où? La cantine, elle est là. Jusqu'ici. Ouais, ça passe pile poil. Pile poil. On peut mettre ça comme ça. On est à 16. On n'est pas à 20, on est à 16. Le but, c'est pas que tout soit au max. Hein. On est bien d'accord. Ouais, je sais, il manque les portes. Ouais, c'est les portes à faire. Et l'électricité, j'avais pas vu qu'il manquait l'électricité aussi. Voilà, comme ça, tout sera électrifié. Je l'espère. Qu'est-ce qui va manquer? Les toilettes sont faites, les hautes sécurités. Alors oui, il va falloir du déploiement ici. Donc ça c'est... Là, et ça bien sûr c'est tout le temps. Il va falloir aussi mettre deux gardes armés qu'on va devoir se payer surtout. Donc il faut qu'on achète donc deux gardes armés. Pile poil ce qu'il faut. Je pense qu'il va me falloir un râtelier supplémentaire. C'est un casier, je crois qu'il me faut supplémentaire plutôt. Deux, comme ça on aura un en secours si nécessaire. On va pouvoir fermer ça. Ça, et ça c'est bon. Donc on aura fini au moins cette partie là. Ah mince, j'ai oublié les portes. Venez ici vous. On va essayer d'abord de gérer ça. Oh là 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 là. Là ça fait du grabuge. Ici ça s'est calmé ou pas? Ouais. Toi tu vas pas tenir. Ok. Tiens quoi en termes d'argent? Tant qu'il n'y a pas d'émeute en fait tout passe bien. Oh j'ai plus de gardien ici. On voit qu'on est ric-rac en termes de gardien quand même. Ouais. Ouais, c'est bien, ils voulaient se mettre dans des hautes sécurités, on dirait, ben, ils auront leur place, hein. Rien à dire, ils auront leur place. On va finir avec les portes. Donc, des portes classiques, bien sûr. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Comment j'ai fait? Ici aussi. Voilà. Donc on a fini le bloc de haute sécurité. Il faut que je m'occupe bien sûr de la cour pour faire une belle petite cour. Peut-être que je l'agrandirai en profondeur parce que je pense qu'elle va nous gêner. Mais ce secteur-là va nous être intéressant, je pense.
Surtout que là, il va pouvoir bosser tranquillement pour nourrir les gens ici. Si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui va pas là? Le moral des trucs sont bas, le truc est haut. Les besoins sont satisfaits ici. Là, il me parle de salaire. Bah, je veux bien que le salaire, je vais pas vous augmenter. On va augmenter de 10% si tu veux. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a de l'agitation? On a reperdu 4 gardiens. On a reperdu 4 gardiens. Ici, ça s'est totalement éclaté. J'ai l'impression d'avoir vu un mec qui avait fait mal, mais non. Bon, j'ai pas vérifié ici. Nombre de gang balance. Toi déjà, t'es sécurisé. Bon, on a pu quand même récupérer de l'argent. Je pensais qu'on n'avait pas de période de trouble, du moins qu'on n'allait pas avoir de période de trouble, mais finalement on en a une. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir un chef de gang à part lui. Ah si, j'ai eu trop de morts. Je pense que c'est ça qui fait très mal, c'est qu'il y a eu trop de morts dans la journée. Voilà, 6 personnes tuées, ils aiment pas ça. Ils se sentent pas en sécurité. Et donc lui, il s'agite. Notamment, ça c'est pas bien. Oh punaise, en plus il fait mal. Il est sympa, mais fouillez-le lui. Il est parti faire quoi lui? Le laissez pas tranquille. Aïe 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 aïe. Bon, l'avantage c'est que ça fait mal parce que c'est que mes gardiens qu'on perd en fait. Mais vous voyez qu'il y a un mec là? Oh, il est résistant en plus. Il est en train de se faire une punaise de... tu vas avoir, toi. Alors, peut-être pas 24 heures, peut-être pas permanent, mais. Ouais, isolement 24 heures, je suis d'accord. Voilà, c'est bon. Oh, mais il a fait une tuerie, le salopio. Il a fait une tuerie. Merde, c'est pas ça qu'il me fallait. Bon. Et toi, tu sers à rien. Renvoyé. Ouais, mais merci. Merci l'agitation. Trop de morts. Trop de morts dans les quartiers. Et ça nous met mal. Ça nous met mal. Et on est en plein après-midi, donc ça va tenir un long moment. Bon, on essaye malgré tout d'avoir le déploiement ici qui va se faire. On va essayer de travailler avec ça pour avoir des vraies cellules isolées et donc réduire fortement la pression qu'on a ici, parce que clairement la pression elle se passe là. Hein. Par exemple, ça c'est clairement un truc qu'on va mettre basse sécurité maintenant. Comme ça ils vont dégager. Et j'espère qu'on va retrouver un truc de calme pour de vrai. Hein, parce qu'au début je le pensais et finalement on l'a pas. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.